Relaxation dynamique du premier degré. Vivance du corps par les cinq systèmes et vivance tissulaire de la peau. Si nous sommes prêts, nous allons commencer la séance. Nous nous installons confortablement dans notre position debout, qui est appelée la posture du premier degré. Pour cela, nous pouvons fermer les yeux pour nous isoler du monde extérieur. Nous prenons conscience de nos pieds parallèles, légèrement écartés. Nous prenons conscience de nos appuis sur le sol, de nos jambes souples, non tendues. Nous prenons conscience de notre dos droit, non cambré, notre bassin est légèrement basculé en arrière, notre corps est souple et notre respiration naturelle. Nous inspirons. Nous expirons. Nous inspirons. Nous expirons à notre rythme, tranquillement, naturellement. On se propose une sophronisation de base vivancielle. Pour cela, nous prenons conscience de notre tête, de notre visage. Notre bouche s'entr'ouvre tout doucement. La langue se positionne librement. Nous prenons conscience de la forme de notre premier système, sans tension. Prenons conscience maintenant de notre nuque, de notre cou, sans tension. Prenons conscience de la forme de nos épaules, de la face externe de nos bras, de la face externe de nos avant-bras, et ceci jusqu'au bout des doigts, sans tension. Nous prenons conscience de la forme de notre deuxième système, sans tension. Nous prenons conscience maintenant de notre thorax, de notre cage thoracique qui se libère. Nos muscles de la face interne des bras se détendent. Ainsi, nous prenons conscience de la forme de notre troisième système, sans tension. Nous relâchons maintenant les muscles de l'abdomen. Nous prenons conscience de notre cavité abdominale qui se libère.
avec une respiration abdominale qui devient naturelle. Ainsi, nous prenons conscience de la forme de notre quatrième système, sans tension. Nous prenons conscience maintenant du bas de notre corps, des muscles qui sont en tension mais qui permettent simplement de maintenir la position debout. Vous relâchez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de la position. Vous relâchez le cinquième système, tout le bas du corps, jusqu'au bout des orteils. Enfin, nous prenons conscience de notre dos. Nous relâchons les muscles de la colonne vertébrale, les vertèbres se positionnent librement, naturellement, et nous prenons conscience de l'ensemble de notre corps, de tout notre corps, appelé mégasystème, sans tension. Nous allons maintenant pratiquer un exercice, celui de la verticalité. Maintenant que vous êtes libéré des tensions, peut-être pour être plus dans la perception de notre corps, nous allons prendre conscience de notre verticalité. Pour cela, d'abord, je vous décris l'exercice que vous pratiquerez ensuite. Il s'agira de lever les bras à la verticale. Les doigts seront entrecroisés et les paumes seront dirigées vers le ciel. Si vous le voulez bien, si nous le voulons, une première fois, nous soufflons. Inspiration. Vous montez les bras à la verticale, doigts entrecroisés, paumes vers le ciel. Rétention de l'air. Prise de conscience de notre verticalité et expulsion. Récupération, les mains reviennent le long du corps. Une deuxième fois pour bien sentir cette verticalité. Vous soufflez. Inspiration. Vous montez les bras à la verticale. Doigts entrecroisés, paumes vers le ciel, comme si les paumes voulaient atteindre le ciel et les pieds s'enraciner en terre. Votre posture verticale d'homme, de femme, entre le ciel et la terre. Puis vous soufflez en amenant les mains sur le premier système, sur le front. Si nous le voulons, maintenant, nous allons pratiquer un sophro-déplacement du négatif. Douce tension des mains sur le front. Nous allons effectuer maintenant un sophro-déplacement du négatif.
si nous le voulons bien, nous soufflons. Inspiration, rétention, tension douce de tout le premier système, prise de conscience des inconforts, du négatif, de ce qui peut vous gêner ou nous gêner. Et à l'expiration, expulsion du négatif et récupération. Les mains viennent maintenant sur le deuxième système, sur la face antérieure du cou. Nous soufflons. Inspiration. Rétention. Tension douce du deuxième système. Prise de conscience des inconforts. Du négatif. Expulsion. Récupération. Les mains viennent maintenant sur le sternum, qui est le point d'intégration du troisième système. Nous soufflons. Inspiration. Rétention. Tension douce de tout notre thorax. Prise de conscience du négatif, des inconforts, des gènes, expulsion et récupération. Très tranquillement, les mains viennent au-dessus de l'ombilic, sur le point d'intégration du quatrième système. Nous soufflons. Inspiration. Rétention. Tension douce de l'abdomen, prise de conscience, là aussi, des spasmes, des inconforts, de tout ce qui peut nous gêner. Et expulsion, expulsion du négatif. Très tranquillement, les mains reviennent sur le bas-ventre, en dessous de l'ombilic, sur le point d'intégration du cinquième système. Et là encore, nous soufflons. Inspiration. Rétention. Tension douce de tout le bas du corps, du cinquième système. Prise de conscience des inconforts, des gènes. Et expulsion. Récupération. Les mains viennent sur l'ombilic. Et nous allons terminer par une prise de conscience de l'ensemble de notre corps. Nous soufflons. Inspiration. Rétention. Tension douce de tout notre corps. S'il persiste encore des zones de tension, d'inconfort, nous les expulsons. Expulsion. Récupération. Nous allons faire une pause d'intégration. Très tranquillement, chacun à notre rythme, quand nous le souhaitons, nous pouvons nous asseoir en posture d'accueil, la posture du deuxième degré, au fond de notre chaise. Pour une pause d'intégration durant laquelle, tout simplement, nous nous remémorons les moments de cette première séquence. Nous allons pratiquer maintenant une sophro-activation vitale. Il s'agit d'une prise de conscience des organes. Elle consiste à stimuler ceci avec la force de notre conscience, notre souffle de vie. Pour cela, nous nous plaçons en posture d'activation de la conscience sur le devant de la chaise.
Nous nous avançons sur le bord de notre chaise avec les mains sur les genoux. Nous soufflons. Inspiration. Rétention. Tension dans la posture, comme si la tête voulait atteindre le plafond. Et douce expiration. Posture d'activation. Et maintenant, très tranquillement, avec la respiration, nous mobilisons la chaleur de notre corps. Douce activation de l'énergie, de la circulation du sang. Nous sentons bien que nous augmentons la chaleur, l'énergie de nos organes. À l'inspiration, nous mettons de la chaleur, de l'énergie, de la force vitale dans notre cerveau, dans notre thyroïde, dans nos poumons, dans notre cœur qui bat tranquillement, dans notre appareil digestif, dans notre appareil génito-urinaire. Et nous vivons en nous la stimulation de tous ces organes. Nous faisons diffuser dans tout notre corps notre énergie vitale. Nous allons maintenant faire une ou deux respirations et nous remettre debout en posture du premier degré pour la vivance de notre premier système. Nous allons faire, quand vous le souhaitez, un geste tout simple. Celui de se lever. Nous nous concentrons maintenant sur notre premier système, en plaçant les mains sur ce premier système, sur le front. Et nous allons toucher notre premier système comme si nous voulions en apprendre la forme. Comme si nous voulions mieux le connaître, le mémoriser, nous familiariser avec lui. Nous prenons tout notre temps pour toucher notre premier système. Et ensuite, nous pourrons amener les mains le long du corps en posture debout. Nous allons maintenant pratiquer quelques exercices pour chaque système qui nous permettent de mieux vivre notre corps, de mieux être dans la présence de notre corps. Le premier type d'exercice qui concerne le premier système sur lequel vous êtes concentré consiste en un déplacement de la tête de gauche à droite, doucement. Si vous le voulez bien, si nous le voulons bien, nous allons souffler. Inspiration, rétention, tension douce du premier système et déplacement de la tête de gauche à droite. En rétention. Et chacun à votre rythme, chacun à notre rythme, quand nous le souhaitons, expulsion de l'air et récupération tranquillement.
Le deuxième exercice se fera avec des mouvements de la tête d'avant en arrière, doucement. Si nous le voulons bien, nous soufflons. Inspiration. Rétention. Tension douce dans notre premier système et mouvement de la tête sans rétention. En rétention, d'avant en arrière, chacun à notre rythme, comme nous le sentons. Surtout sans vous faire mal, sans nous faire mal au cou, si nous sommes fragiles. Et chacun à notre rythme, nous arrêtons le mouvement quand nous expulsons l'air. Récupération. Quelques instants de récupération. Et maintenant, nous allons nous préparer à faire un exercice de sophrostimulation respiratoire. Si nous le voulons bien, nous soufflons. Inspiration. Les pouces viennent sur le nez. Rétention. Nous inclinons le corps en avant en faisant une pression de l'air retenu sur les joues. Nous nous penchons en avant. Et avec les mains et avec toute la force de notre souffle, nous expulsons l'air. Et nous revenons à la verticale en posture du premier degré. Récupération. Tranquillement. Nous pouvons nous asseoir. Nous relâchons le visage, les épaules, les bras. Pose d'intégration en posture assise d'accueil. Relax. Relaxation. Pose d'intégration. Pendant cette pause d'intégration, simplement, nous laissons venir les phénomènes. Les phénomènes que nous avons éprouvés durant cette séquence, sans chercher à les expliquer, sans chercher à comprendre ou à rationaliser. Simplement pour vivre notre corps, et ce qui nous permet d'éprouver. Présence du premier système dans la conscience, les phénomènes, les sensations. Très tranquillement, maintenant, nous allons faire une respiration et nous remettre en posture debout du premier degré. Nous allons maintenant pratiquer la vivance de notre deuxième système. Quelques moments de concentration sur la forme de notre deuxième système, le cou, la nuque, les épaules, les bras, jusqu'au bout de nos doigts. Nous relâchons les épaules. Nous prenons conscience de la forme de notre nuque et de notre cou en train de se détendre. Calme, tranquillement. Pour mieux vivre la forme de notre second système, nous allons le toucher. Nous pouvons amener nos mains au niveau de notre cou et déplacer nos mains sur notre cou, sur notre nuque, sur nos épaules, en les touchant très délicatement. Encore.
les bras, la face externe des bras, pour sentir les textures, la forme, les sensations, relaxation. Les bras reviennent le long du corps. Présence du deuxième système dans la conscience. Nous allons faire un exercice de tension dans la région antérieure du cou, sa forme. Pour mieux la vivre, nous allons vivre les mouvements. D'abord, des mouvements de tension de la région antérieure du cou. D'abord, je vous explique. Après avoir inspiré l'air, en rétention, nous pratiquerons des mouvements répétés de tension de la face antérieure du cou, comme si nous voulions dire X plusieurs fois. Si nous le voulons bien, maintenant nous soufflons. Inspiration quand nous le voulons. Rétention. On contracte, comme pour dire X, on relâche. On contracte, on relâche. On contracte, on relâche. Nous contractons, nous relâchons. Et nous expulserons quand nous le voudrons. Expulsion. Relaxation. Relaxation debout. Les phénomènes. Les sensations. Nous allons faire maintenant un exercice de mouvement des épaules et des bras. Je vous explique d'abord l'exercice que vous pratiquerez ensuite. À l'inspiration, nous monterons les épaules de chaque côté de la tête. En rétention, nous effectuerons des mouvements de haut en bas des épaules. Et nous expulserons en redescendant les épaules. Si nous le voulons bien, maintenant, nous soufflons. Inspiration. Nous montons les épaules le plus haut possible. Rétention et mouvement lent ou rapide de haut en bas des épaules en conscience. Et nous expulserons en ramenant les épaules à la position initiale. Faisons une pause d'intégration. Relaxation. Nous pouvons nous asseoir au fond de la chaise en posture d'accueil. Nous relâchons le visage, les épaules et les bras, tout le corps. Relaxation. Pause d'intégration. Les phénomènes. Les sensations, comme ils viennent, sans les interpréter. Nous prenons conscience de la forme de notre deuxième système dans la conscience. Nous allons maintenant nous préparer mentalement à vivre la concentration sur le troisième système. Pour cela, nous allons reprendre la posture debout à notre rythme. Présence du corps dans la posture debout. Présence
plus particulièrement de notre troisième système. La forme de notre troisième système dans la conscience. Pour mieux la vivre, nous allons maintenant pouvoir toucher notre troisième système, le thorax. Pour cela, nous pouvons amener les mains au niveau du sternum et laisser nos mains partir à la découverte de notre thorax, de la face interne des bras, du haut du dos, à notre rythme, en touchant très délicatement, avec beaucoup de bienveillance, comme si nous voulions apprendre la forme que nous sommes. Les bras reviennent le long du corps. Présence du troisième système dans la conscience. Sa forme. Pour mieux le vivre, nous allons pratiquer les exercices de soufflet thoracique. Pour cela, vous joignez les poings au niveau du sternum. Vous joignez les poings devant le sternum. Si nous le voulons bien, nous soufflons. À l'inspiration, nous tirons les coudes vers l'arrière, les mains viennent jusque sous les aisselles, rétention de l'air, tension douce. Et quand nous le voulons, expulsion de l'air en ramenant les poings devant le sternum. Relaxation, les bras le long du corps. Relaxation debout. Présence du troisième système dans la conscience, sa forme, les mouvements, les phénomènes, les sensations. Nous allons maintenant vivre les exercices de rotation des extrémités supérieures qui permettent de se concentrer sur le mouvement des bras et des avant-bras. Nous ferons l'exercice une fois avec le bras droit, ensuite avec le bras gauche et enfin avec les deux bras. Si nous le voulons bien, nous soufflons. À l'inspiration, nous montons le bras droit tendu devant nous, paume ouverte vers le bas. Nous fermons le poing. En rétention, nous faisons des moulinets et de petits tourniquets devant les épaules, puis nous amenons le poing à l'épaule et nous expulserons l'air en tendant le bras vers l'avant sans forcer. Relaxation, les bras redescendent le long du corps. Si nous le voulons bien, nous allons faire le mouvement avec le bras gauche. Maintenant, nous soufflons. Inspiration. Nous montons le bras gauche tendu devant nous, paume ouverte vers le bas. Nous fermons le poing. Rétention. Nous faisons des moulinets ou des petits tourniquets à notre choix, avec une douce tension du bras et de la moitié gauche du thorax. Concentration sur le mouvement, puis nous arrêterons le mouvement, nous amenons le poing à l'épaule et, en expulsant fortement l'air, nous tendons le bras vers l'avant sans forcer.
Le bras redescend tranquillement le long du corps. Maintenant, avec les deux bras, si nous le voulons bien, nous soufflons. Inspiration. Les bras montent devant nous, paumes ouvertes vers le bas. Nous fermons les poings. Rétention. Nous faisons des moulinets ou des petits tourniquets, puis, à notre rythme, nous amènerons les poings à l'épaule et, quand nous le voudrons bien, expulsion forte en tendant les bras. Relaxation, les bras reviennent le long du corps. Relaxation. Nous pouvons nous asseoir au fond de la chaise en posture d'accueil pour une pause d'intégration. Présence du troisième système dans la conscience, sa forme, les phénomènes, les sensations comme ils viennent, sans les interpréter. Nous allons vivre plus particulièrement la présence de la peau de notre système dans la conscience. Pour en activer la vivance, nous allons pratiquer la technique de vivance tissulaire avec la respiration, avec les mots vivance au moment d'inspirer l'air et intégration au moment d'expirer l'air que nous prononcerons intérieurement. Nous commençons. À l'inspire, vivance de la peau de notre système. À l'expire, intégration, pour réveiller les sensations positives au niveau de la peau. Au moment d'inspirer l'air, nous vivons la présence de la peau dans notre système. Au moment d'expirer l'air, nous sentons la vie de ces tissus qui se réveillent doucement dans notre système. À chaque inspiration, nous sentons notre peau. Nous la percevons. Elle est là, présente dans notre conscience. À chaque expiration, nous l'encourageons à se régénérer, à être belle, souple, douce. Nous la remercions d'être là pour nous. À l'inspire, nous la sentons. Nous la percevons, elle est là, dans notre conscience, notre peau. À l'expire, nous lui envoyons tous nos messages personnels. Nous arrêtons les mots et pendant quelques instants, nous essayons de percevoir les sentiments positifs qui se réveillent à chaque respiration au niveau de notre peau. Et maintenant, nous inspirons profondément pour activer notre tonus musculaire. Nous nous plaçons debout, posture du premier degré. Nous allons nous concentrer sur notre quatrième système. Pour cela, nous allons toucher notre quatrième système. Nous amenons les mains au-dessus de l'ombilic et nous touchons tranquillement notre quatrième système, tout l'abdomen.
Nous passons également les mains en arrière pour sentir tout l'anneau abdominal. Puis les mains reviennent à leur position initiale. Présence du quatrième système dans notre conscience. Et pour mieux sentir ce quatrième système, pour mieux sentir notre corps à ce niveau, nous allons maintenant pratiquer l'exercice des mains en griffe. Nous montons les mains vers l'avant, à la hauteur du quatrième système, avec les doigts en griffe, paume en avant, comme si nous voulions repousser un objet imaginaire, un arbre par exemple. Nous soufflons. Inspiration. Rétention. Tension du quatrième système sous le poids de l'objet. Les mains reviennent tout doucement vers l'abdomen et à l'expulsion, vous repoussez très loin l'objet. Pause d'intégration debout et récupération. Nous allons maintenant pratiquer l'exercice Noli qui se fera contrairement aux autres exercices poumons vides. Si nous voulons bien, pour pratiquer cet exercice, nous soufflons. Inspiration. Les bras montent. Une tension légère. Nous soufflons en nous penchant en avant et en amenant les mains sur les genoux. Nous vidons, nous vidons, nous vidons encore et encore. Nous vidons complètement notre abdomen et barattage. Mouvement de contraction, détente de l'abdomen, comme si vous vouliez sentir votre oblique. La racine de votre abdomen. Inspiration. Vous revenez à la position initiale. Récupération. Vous pouvez vous asseoir quelques instants en posture d'accueil au fond de la chaise. Pause d'intégration. Vous êtes à l'écoute des sensations de votre corps, des phénomènes qui viennent en vous, sans chercher à les expliquer. Simplement, vous vivez la présence de votre corps. Nous allons maintenant pratiquer la vivance du cinquième système. Pour cela, nous faisons une respiration profonde et nous nous plaçons debout. Concentration sur votre cinquième système, toute la partie inférieure de votre corps. Nous amenons les mains sur le bas-ventre et, avec les mains, nous touchons notre cinquième système, le bas-ventre, les muscles fessiers, les cuisses, les mollets. Prise de conscience de notre cinquième système. Et nous revenons à la position initiale. Quelques instants pour bien sentir notre corps au niveau du cinquième système. Et pour accroître encore la vivance de notre corps à ce niveau, nous allons maintenant pratiquer l'exercice de rotation axiale du bas-ventre. Si nous le voulons bien, nous soufflons. Inspiration. Rétention. Tension basse du cinquième système et rotation du bassin à droite et à gauche jusqu'à la limite de la résistance confortable. Chacun à votre rythme. Vous expulsez l'air quand vous le souhaitez.
quelques instants de présence à notre corps. Nous allons maintenant pratiquer la marche virtuelle. Nous soufflons. Inspiration, rétention, tension du cinquième système et marche, comme vous le sentez. Vous marchez sur place, comme vous en avez envie, comme vous le sentez. Si vous avez envie de faire une marche dynamique, vous le faites. Si vous avez envie de faire une marche lente, vous la faites. Nous la faisons, jusqu'à la limite de la résistance confortable. Et ensuite, expulsion de l'air. Nous pouvons nous asseoir quelques instants en posture d'accueil, au fond de la chaise, pour vivre les phénomènes du cinquième système. À l'écoute de notre corps, pendant quelques instants, nous vivons particulièrement toute la partie inférieure du corps. Et nous allons maintenant terminer cette séance. Si nous le voulons bien, nous allons nous placer à nouveau debout, en posture du premier degré, pour la vivance de toute la corporalité. Présence du corps dans la posture debout. Conscience de notre verticalité. Les deux pieds sont bien ancrés sur le sol. Notre tête est érigée vers le ciel. Pour mieux vivre la forme de notre corps, je vous propose d'amener les mains sur l'ombilic. Nous amenons les mains sur l'ombilic et nous laissons nos mains partir à la découverte de la forme de notre corps, en le touchant très délicatement avec beaucoup de bienveillance. Nous laissons nos mains partir. Nous déplaçons nos mains sur tout le corps, comme si nous voulions apprendre la forme que nous sommes, la forme de notre méga-système. Relaxation. Relaxation debout. Les bras reviennent le long du corps. Présence de toute la corporalité dans la conscience, sa forme. Pour mieux la vivre, nous allons faire des exercices de totalisation, de tension des hémicorps. Pour cela, si nous le voulons bien, nous déplaçons tout le poids du corps sur la jambe droite. Nous soufflons. Nous fermons le poing droit. À l'inspiration, le poing monte au-dessus de la tête. Rétention. Tension douce de tout le côté droit du corps en relâchant complètement à gauche. Expulsion. Le bras redescend tranquillement. Et vous ramenez le poids du corps au centre. Les phénomènes, les sensations, à droite, à gauche. Peut-être y a-t-il une différence, peut-être qu'il n'y en a pas. Vous amenez maintenant tout le poids du corps sur la jambe gauche. Nous fermons le poing gauche. Nous soufflons. Inspiration. Le poing monte au-dessus de la tête. Rétention de l'air. Tension douce du côté gauche uniquement en relâchant complètement à droite. Expulsion. Le bras redescend tranquillement. Et nous ramenons le poids du corps au milieu. Les phénomènes, les sensations, à droite, à gauche,
Peut-être y a-t-il une différence, peut-être qu'il n'y en a pas. Maintenant, avec les deux bras, nous soufflons, nous fermons les poings. Inspiration. Les poings montent au-dessus de la tête. Rétention. Douce tension de tout notre corps. À notre rythme, expulsion. Les bras redescendent. Prise de conscience de toute notre corporalité, les phénomènes, les sensations, la forme de notre corps dans la conscience. Relaxation. Nous pouvons nous asseoir au fond de la chaise en posture d'accueil. Nous allons maintenant pratiquer quelques moments de concentration sur un objet. Nous allons pour cela nous concentrer sur un objet neutre, si possible naturel, un objet qui appartient au monde minéral ou bien au monde végétal ou bien au monde animal ou bien encore au monde humain. Pas trop grand, d'une dimension raisonnable. Nous le choisissons, nous le laissons venir et nous le laissons envahir notre champ de conscience. Nous allons exercer notre concentration sur cet objet en essayant de ne pas le quitter, de ne pas le laisser partir, de le garder dans notre conscience. Nous pouvons en préciser les contours, la forme, le volume. Nous prenons conscience des couleurs, des reflets, des lumières. Cet objet a peut-être un parfum. Nous respirons le parfum de cet objet. Peut-être que nous pouvons le toucher d'ailleurs. Et nous sentons sa texture particulière, peut-être même sa température, sa matière, sa densité. Peut-être que nous pouvons goûter cet objet de concentration, vivre sa structure. Peut-être que nous pouvons faire quelque chose avec cet objet de concentration. Nous laissons maintenant cet objet quitter pour un temps notre champ de conscience et mentalement, nous revenons ici et maintenant dans ce lieu. Et très tranquillement, nous terminons notre pause de totalisation. Et nous évoquons nos trois capacités de confiance, d'harmonie, d'espoir. Nous pouvons nous poser tout simplement la question : en quoi la séance de ce jour m'a-t-elle permis de développer mes trois capacités : confiance, harmonie, espoir. Puis nous nous préparons à reprendre notre tonus musculaire. Nous allons respirer profondément deux ou trois fois. Puis maintenant nous allons faire une désophronisation par système. Remettons d'abord en tension le bas du corps et commençons par remuer les orteils, remuons les jambes, remuons le bassin,
douce reprise de tension du cinquième système. Puis nous allons remettre en tension le quatrième système, l'abdomen. Doucement, tranquillement. Maintenant, une grande inspiration thoracique va nous permettre de remettre en tension le troisième système. Puis, nous pouvons bouger les mains, puis les bras, les épaules. Nous pouvons masser la nuque si nous en avons envie, pour remettre en tension le deuxième système. Nous pouvons également bâiller, faire des grimaces. Nous pouvons nous étirer doucement d'abord, puis avec de plus en plus d'intensité. Et quand nous le voulons, à notre rythme, nous pouvons ouvrir doucement les yeux.